Ok, salut tout le monde et bienvenue dans l'épisode 2 de notre vie de Spino Zorus. Bref, voilà. Donc là, bon, écoutez, comme ça se voit, ma mère m'a abandonné, je suis seul au monde et en gros, ce qui se passe, c'est que je progue tout simplement et j'ai passé la barre de 80%. Ce qui signifie que ça, c'est le moment où tu spawns en spino en fait. Ça, c'est 80%, c'est quand tu as ton spino, tu spawns à 80% et pas à 16 ou 17 comme j'étais dans l'épisode 1. Donc voilà. Et là, j'ai un peu faim, les amis. Donc il va falloir que j'aille griller. En tout cas, il est quand même vachement stylé ce dinosaure. Je suis quand même très faible encore. Je fais quand même. Je fais quoi? Je fais une tonne, je crois. Je sais pas trop. Bon, regardez, chaque fois je rentre pas quoi. Je fais quoi? Je fais une tonne, ouais. Pour 75 de bite force. Je suis très très faible quand même. Bon, on va essayer de chasser la poule qui est vers ici là. Elle est là. Allez. On va voir si je suis un peu plus rapide qu'avant. Non, on va pas par là-bas, c'est dangereux par là-bas. Taisez-vous. Il y a quand même un T-Rex hier vers ici, donc c'est pas fou quoi. Taisez-vous, putain. Moi je veux la poule. Totalement silencieux par contre quand je cours. Par contre, je l'ai totalement raté aussi la poule là. Allez, viens là la poule, fais pas chier. Voilà, par là-bas c'est bien. C'est très bien par là-bas. Allez, allez. Mais wesh, c'est pas possible quoi. Donne-toi. Je commence à bien tourner sur moi-même aussi. Ça s'améliore, hein. Ok, je l'ai fini. Bon. On va pas prendre plus de risques, hein. En vrai, le Spino, voilà quoi. T'as pas envie de le perdre. Mais vraiment pas. Donc, on va se reposer dans l'eau. Tranquillou. On va aller de l'autre côté. Alors, le Spino qui nage très mal, hein. Voilà. Regardez le temps que je mets à traverser cette rivière. C'est assez incohérent, mais bon. Mais en vrai, cette poule, faut que je la tue, hein. Ah, je pense. Je sais pas. Voilà, après, je me mets en mode protection. Et voilà. Et c'est parti pour de la prog. On ressortira de l'eau quand on aura faim. En attendant, franchement, je vais prendre zéro risque, hein, les gars. Je pense que vous comprenez. Ah, je vais pas aller me balader un peu partout. Tant que je suis pas adulte. Voilà, j'ai pas envie de le perdre, ce Spino. Bon, par contre, au bout d'un moment, cette poule, elle se fout de ma gueule, quoi. Et ça fait 10 minutes qu'elle est là, qu'elle me nargue. Qu'est-ce que tu veux la poule? Non, pas fou non plus. Bon, il fait tout noir d'un coup là. Vas-y, elle m'en fout cette poule. Regardez ça, elle me troll. Elle me fait troll par une IA. Wesh! Mais wesh, tu fais quoi? Viens là! Mais c'est sérieux là? C'est un joueur ou quoi? Non, c'est pas possible. Cramer toute ma stam sur une poule! C'est sérieux là?
Non mais pour de vrai? Non mais sérieux? Ah, elle est trop forte cette poule. Elle est trop forte. Par contre les gars, genre la croissance du Spino est incroyable. En même pas 10 minutes, regardez, j'ai déjà pris 6%. Ah, j'ai soif aussi. Bon. Go boire. Oh, il n'y voit que dalle. Bah, c'est 1v1 contre la poule, hein. Let's go, hein. En vrai, un spino trollé par une poule. C'est assez terrible. Comme situation. Après, pour ma défense, il court quand même à 2 à l'heure le spino. Le bon quand même, quoi. Bon, c'est bon, t'as fini de boire, mon gros. Bon, presque. Regardez la stam, comme elle se régène vite. Ouais. Ouais, ça va, elle se régène quand même très vite. Ça va, ça va. Mais ouais, quand il était vraiment. Quand je suis sorti de l'œuf, elle se régénère instant en fait. Paf, en un coup. Après, elle était toute petite aussi. Je pouvais même pas traverser la rivière. Donc voilà. C'est normal. Ta ta ta. Bon. Elle est où? Et où la poule? La poule! Ouais, elle est comme ça parce que tu vois que dalle. Je pense que vous aussi. Allez, je vais réussir à l'avoir cette poule. Je la rattrape là. Dis-moi que je la rattrape. Yes! Eh bon, j'ai enfin gagné mon combat contre la poule. Ben voilà, la poule rend pas fou non plus, hein. Attention, attention, 99%. Vivons ce moment ensemble. Alors, je fais 1285 kilos et je cours à. Et j'ai 94 de bite force. Oh, ça commence à être un peu pas mal, mais bon, c'est pas non plus incroyablement fou, quoi, disons-le. Hein? On va passer adulte, ouais, en gros, ça a mis une heure, je crois. Un peu moins d'une heure. Pour monter de 20%, des 80 à 100%, franchement ça va, c'est assez rapide. Après voir combien de temps ça met pour passer full adulte, j'en ai aucune idée. Mais déjà, on a passé le cap, on va devenir adulte. Alors je pense que physiquement il va y avoir aucune différence. C'est parfait ça, le petit Tava. Par contre, c'est pas pour moi ça. J'ai pas faim du tout. Ok, bon, bah on va passer à adulte du coup. Alors, wow, je suis passé à 2 tonnes, 2 tonnes 3 et 170. Ah oui. Ah ouais. Bon, on va gros. Ça ne fait aucune différence. Ouais, bon. Et 29 km, putain, Jack il est à 2 alors. 60% de gros, ok. Et du coup je vais bordel maintenant quand je marche. Et ça fait quand même une sacrée différence, hein. J'ai pris une tonne en passant adulte. À part ça, rien de fou quoi. Bon, on va continuer la prog. Tranquille.
On va continuer la prog ici, les gars. Je prends vraiment zéro risque, hein. Vraiment. Oh! Qu'est-ce que tu veux, toi? Ah, ça m'emmerde ça. S'il est tout seul, ça passe. Pas si je peux me le faire. En vrai, il est beaucoup trop rapide. J'ai peur quand même. En vrai, il est adulte. Ça me fait un peu peur cette histoire. Du coup, c'est lui qui avait fait. Bah, Castor, c'est mieux. Je sais que j'ai pas avoir peur d'un raptor, mais on sait jamais quoi. Parce qu'on sait pas s'il est seul ou pas en fait, c'est ça le problème. Faudrait pas qu'il revienne à 6 quoi. En vrai, le raptor. Je crois vraiment que j'ai pas avoir peur du raptor. Je suis beaucoup plus gros que lui, je suis beaucoup plus puissant que lui rien que maintenant quoi. Après, ça serait quand même horrible de mourir contre le raptor. Là. Après, voir s'ils sont plusieurs, je sais pas, hein. C'est ça qui est la problématique. Wesh, pourquoi tu ne te mets pas accroupi? On va voir aussi là-bas comme il me remet, niveau bouffe. Voilà, va par là-bas, c'est mieux. T'as raison, là-bas. Par contre, on y va que dalle. C'est donc de ça qu'elle me parlait, Ellie. Wesh, il me trace! Comme il m'a tracé quoi! J'avoue qu'on y voit que dalle. Il a mis 3,5 de but ce bâtard. Ah, je l'ai touché aussi, je crois. Bon. Je suis mis bouffe, ça va. Ça m'a remis fou là, cette histoire là. Alors est-ce qu'il se remet vite? On va voir hein. Ok, j'ai déjà perdu mon bleed. Après j'ai aucune chance de le rattraper si je le détruis pas sur place. Là il me voit. Hein. Je sais pas s'il me voit en fait. Vas-y, viens là, pas peur. Non, je pense que c'est juste un raptor qui veut troll. C'est le raptor troller. Donc écoutez, je sais pas, je vais le suivre un peu. On ne sait pas s'il a du saignement, peut-être que je vais pouvoir le graille. Mais bon, peut-être un peu dangereux cette histoire. Est-ce que tu es en train de tomber dans un piège? Je sais pas si je suis en train de faire une connerie ou pas, les gars, là. En plus, il vient exprès chercher la merde, il avait un aval ici. Non,
Ah, en vrai, je suis pas très rassuré. Quand même. Là, je peux me faire détruire par beaucoup de choses quand même. Donc on va rester calme. Pour l'instant. Faut pas faire de conneries, je vais pas le suivre trop loin. Je vais pas trop me défendre, mine de rien. Contre un raptor, ça va. Même contre deux, je pense. Ou trois, même. Il y a moyen. Que, tu vois, je les croque et que je les mette en PLS et qu'ils se cassent. Mais un truc un peu plus gros, genre des allosaures, je pense que je me fais éclater. T-Rex, ouais, n'en parlons pas. Giga, n'en parlons pas. Quand même, on va quand même rester calme pour l'instant. Bah écoutez, on va continuer à proc tranquille. Avec un raptor à côté. Il n'y a que 18 joueurs, hein. Franchement, ça va. Ça va, bah, tranquille. Bon, va falloir sévir contre ce raptor, c'est pas possible. Hein. Il me traîne autour depuis trois plombes. Alors je sais pas ce qu'il veut. S'il attend que ses potes se connectent et qu'ils viennent tous vers moi. Ou si. Bon bah, ouais voilà. Bon bah, je pense que vous voyez. Je pense qu'il est juste là pour troll. Mais peut-être qu'en attendant que ses potes se connectent. Donc je sais pas. Va falloir sévir, va falloir le buter. Mais le truc c'est que c'est impossible de choper un raptor quoi. Il est beaucoup trop rapide. Mais en tout cas il me traîne autour là depuis. Il a passé toute la journée à me traîner autour donc m'emmerde un peu, moi je vais faire ma proc tranquille. Je crains pas grand chose mais bon. Et puis voilà, il a disparu. Ah, petit aval ici. On n'y voit plus rien. Bon. Bon, je crois que je vais abandonner. Hein. Je vais grailler là-bas et je vais abandonner. On attendra le jour. Hein. On verra bien. En tout cas, il va falloir que ce raptor périsse. Ça, c'est sûr. Bon, je commence à avoir un peu la dalle. Bon, depuis tout à l'heure, je proc tranquille. Je suis quand même sur 67%. En vrai, ça remonte quand même assez vite, je trouve, pour ce dinosaure qui est, somme toute, assez incroyablement puissant quand il est full adulte. Bah écoutez là je rec parce qu'on sait jamais. Toujours mon problème de raptor là qui est à côté. Donc je vous montre cette petite phase de gameplay incroyable avec des lags où je vais tuer ce taco de merde qui fait que gueuler. Comme ça on va voir si je me régène vite ou pas. On sait jamais si le raptor me saute dessus. Vas-y viens là toi, rends pas fou. Viens là, je vais pas faire de bruit. Je vais pas te courir après, donne-toi. Donne-toi, 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 petit taco. Bon, c'est vrai que la caméra du Spino est assez dégueulasse. Oui, je sais que tu es pas très rassuré. Parce que c'est vrai que la caméra est sur la crête en fait, du coup on y voit que dalle. Allez! Rends pas fou. Viens là. Eh mais les IA sont beaucoup plus intelligentes qu'avant en fait, hein. C'est dingue, hein? Bon, merde. Je sais pas. En tout cas, je commence à faire mes super demi-tours. Alors, je suis à combien de pourcents? 49. Et juste en mangeant ça, ça fait quoi? Soixante-sept. Oh, c'est pas si mal. C'est pas ouf. C'est pas insane. Mais ça va. Ça passe. Va falloir que je bouffe autre chose quand même. Parce que là, c'est un peu rush, mine de rien. On va reprendre la stam. Je vais enlever les gammas parce que ça va devenir moche. On mange un peu tout ce qui traîne. Hein. 86. Il y a encore une poule vers là-bas, je crois, qui a une spawn. Ouais, là-bas. Celle-là, elle va me remettre full, je pense. Par contre, ramène-toi. Et les IA sont devenues trop intelligentes. C'est un truc de malade. Regardez l'intelligence incroyable de cette poule. Ah mais en vrai elle m'a failli me troll hein. Ok. Et là ça devrait aller, je devrais être full hein. Voilà, nickel. On est obligé de se nourrir de tout ce qui passe hein. C'est pas très glorieux pour l'instant mais bon. Le raptor s'est peut-être volatilisé. Je le comprends en vrai, normal hein. Il a quasiment zéro chance de gagner. Ça sert à rien de se suicider hein. Le retour! Et lui franchement il cherche la merde hein. Non? Tu cherches mon pote. Il cherche les embrouilles ce raptor. Est-ce que c'est un bait? C'est ça la question. Est-ce qu'il est là et il y a tous ses potes qui sont cachés dans les arbres? Ah je sais pas.
Mais en vrai, ouais, il embrouille quoi. Je suis 1 milliard de fois plus fort que lui. Hein. Je sais pas pourquoi il fait ça. Pour troll? J'essaie de checker s'il y en a pas d'autres autour de lui, mais. Oh, que dalle. Impossible de l'attraper quoi. C'est ça qui roule. Si j'arrive à le choper, je me mets tellement bien. Lui aussi, il fait des petits pas comme ça là. Qu'est-ce qu'il me fait, les. Ne rends pas fou, t'as aucune chance contre moi. Qu'est-ce que tu veux, le raptor? Là, comme je tourne bien. Là, je me rapproche discrètement, je me rapproche. Voilà, casse-toi. Va du mauvais côté, t'as raison. Je peux rien faire contre lui en fait, c'est ça qui est chiant. Oh le con. Oh le con. Oh mon dieu. Mais pourquoi? Tu veux troll? Aïe 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 aïe. C'est pas très malin ce qu'il a fait là. Bon, bah écoutez les gars, dommage qu'il a pas un cri LOL, c'est peut-être ça. Voilà, ça c'est le cri gentil, on va dire que c'est le cri LOL. Bon bah écoutez, le Raptor il a bien géré là, il a bien géré son combat, voilà, ça nous fait une carcasse, Cimer le Raptor, c'est pas mal ça. Bravo à toi gros, il y a 19 joueurs et il se passe ça quoi, c'est quand même dingue. Sur les 19, il y en a un qui est. Ouais. qui est pas fini. Désolé à toi si tu auras cette vidéo, mais c'est drôle ce que tu as fait là quand même. Bref, en tout cas, il a porté ses balls. Il a essayé de troll un Spino. Normalement, il n'y avait pas de risque, mais bon. Bon bah écoutez, je suis à combien de pourcents? 72%, 4 tonnes 4. Oh là là, 195 de bite force. Je l'ai tout shot, hein, mine de rien. Bon après, il a dû se faire des dégâts à cause de la chute. Peut-être qu'au max, je l'aurais trishot. Mais ouais, la GG à lui. Bon bah on continue à prog hein, tranquille. On sait jamais s'il y a un autre raptor qui veut essayer de voler devant moi. Je vous reprendrai les gars. Abandonné par sa mère, on a quand même réussi à prog tranquillement. Ça va. Bon bah écoutez, on est à 94%, on fait 8 tonnes 2, 240 de bite force. C'est bientôt terminé, mais il commence à y avoir des. Du monde à côté de moi là, j'entends gueuler depuis tout à l'heure. Et j'ai pas reconnu les cris quoi. Alors j'aimerais bien aller voir, mais j'ai un peu peur. Je sais que je dois pas avoir peur, mais ça a crié très fort donc je sais pas qui est là. En vrai, ça serait quand même terrible de perdre ce Spino. Alors qu'on a juste mangé des IA quoi. Bon, y a un petit raptor, mais bon. Je ne sais pas du tout qui est là. Toi, ça va? Tu te poses pas de questions dans ta vie? Oh là là, on n'y voit rien.
terrible. Alors, elle est où la carcasse? Bon, on va dire que c'est là. Je pense qu'ils sont au barrage. Hein. Est-ce que j'y vais ou pas? Voilà, genre ça. C'est quoi ça? C'était quoi ce bruit? Peut-être un succo, hein. C'est peut-être un succo, j'ai l'impression. J'ai envie d'aller voir, mais bon, putain, ça risque de dégénérer, quoi. J'espère juste que ça va pas faire de la merde, quoi. Allez, j'y vais tranquille. On y va en mode soum soum. Et on va aller voir ce qui se trame là-bas. Et vous connaissez, hein, quand je dis il faut pas que je fasse ça et que je le fais, ça dégénère à chaque fois, quoi. Après, là, je suis quand même très puissant, hein. Pas parce que je suis pas full adulte que je suis pas puissant, je fais quand même 8 tonnes. Là en vrai je peux déjà commencer à casser des gueules assez facilement. Donc ça va, je peux bien tanker les coups. Alors vraiment le drame ça serait qu'il y ait 2 T-Rex full adulte. Ou 2 Giga full adulte. Ou 2 Spino full adulte. Alors, en gros ça serait la seule chose dont j'ai peur. Donc je sais pas, on va aller checker ça, on verra. C'est la première fois que je sors de mon trou. Ça serait quand même terrible que ça se passe si mal. Mais bon, on est quand même là pour faire en sorte qu'il se passe des choses, qu'on rencontre d'autres dinosaures. Puis là, sur ce serveur, on est que 26 en ce moment, donc s'il y en a à côté de nous, bah go aller les voir, quoi. C'est pas pour autant que ça va finir en ben sang, je sais pas, j'espère. Bon, déjà, on va aller s'imposer à Titan Lake, on sort du trou un peu, c'est bon. Un peu d'air. Qu'est-ce qui se trame? Ah non, c'est un succo. Ok, en vrai, le giga va le déboîter, je crois. Normalement, hein. Après, je sais pas, le giga a l'air de se faire déboîter. Pas trop ce qui se passe là pour le giga. Est-ce que je vais me mêler à cette embrouille? Ah. Yo bro. Allez, dégage. Bon, prends la carcasse. Ok, j'ai compris. C'est en effet un succo. De loin, ça ressemblait à un accro, parce qu'il a un gros dos comme l'accro. Mais non, c'était un succo. Et lui doit se dire, mec, putain, mais qu'est-ce qu'il fout là, ce Spino, quoi? C'est ma carcasse ici là. Qu'est-ce que tu aimes regarder comme ça? On rate pas de travers. Je pense qu'il est vraiment beaucoup plus faible que moi en vrai. Je peux large le tuer. Mais bon. On va respecter les règles les gars. Ah, ça c'est mon nouveau territoire. En attendant que ma mère et femme reviennent. Enfin ma mère est femelle. Parce que femme, bon, c'est pas trop une femme, on va dire. Un jeu de regard contre ce giga là. Aïe 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 aïe. En vrai, il est vraiment dans la merde ce giga là. Il est vraiment dans la merde et il le sait. Et il s'est fait déboîter par un succo aussi, wesh. Jamais ça pourrait arriver à un giga sans mourir contre un succo, je comprends pas. Bah, du coup, ouais, je crois que la règle c'est que je peux pas le rattaquer pendant un quart d'heure. Ouais, je vous dis les gars, on va faire en sorte de bien respecter les règles quand même. Parce que là en vrai, il y en a marre de se faire bannir des serveurs. Qu'est-ce qui t'arrive le giga? T'as pas confiance?
Doit pas être très bien, voilà. J'ai pas faim là, ça. Ah, mais je peux pas manger en fait dedans. T'es sérieux? On va le traquer, on va le traquer. Il va par là. Il sait qu'il est traqué par un Spinosaurus adulte. Il sait qu'il est dans la merde si je le rattrape. Surtout vu comme il a géré son combat contre le Zuko, je pense que il est full foutu lui. Ah, fait chier quoi. Je l'ai perdu. Je l'ai totalement perdu, c'est trop dommage. J'avais trouvé ces deux empreintes et puis après il n'y a plus rien, je comprends. Vraiment le système des empreintes, il y a des moments je comprends pas quoi. Vraiment dommage. Là je crois que c'est foutu les bros. Il a réussi sa fuite. Il restera en vie celui-là. C'est pas mal comme petit territoire ça, non? Je vois quand même 100%. Yes! Bon bah écoutez, je vais me poser là-bas. C'est le terre-terre. C'est le terre-terre ici, Titan Lake. Ça appartient au Spino, wesh. Personne s'approche. Si j'étais vraiment un bâtard, je me serais mis en plein milieu du barrage. Mais bon, je suis pas un bâtard. Ou pas, j'en sais rien. Bon, c'est vraiment chelou que je puisse pas marcher dans le manger dans la carcasse là. Voilà, c'est chez moi. Franchement, elle est énorme la carcasse quoi, au bout d'un moment. Non? Bon, du coup. Alors, résumé des choses, on est à 100%. Oh, les belles dents qui dépassent là, c'est fait peur. Hein. On est à 100% le growth, on est full adulte, on est un mâle, on est capable pour faire des bébés. On fait 9 tonnes 1, c'est très très lourd, franchement. 250 newtons de bite force, je cours vraiment très doucement par contre. Bref, voilà, bon, on a enfin réussi à être full adulte. Bah, sur ce, les gars, je vous donne rendez-vous dans l'épisode 3. Où je pense qu'on fera notre petite migration avec ma mère et future femelle. Et puis voilà, c'est tout. Allez, ciao guys!